Salut les amis, ce soir pour cette vidéo, nous revoici au col des Banquettes, cette fois-ci en famille. Malheureusement la famille n'est pas au complet puisqu'il va manquer Priscilla qui est malade, donc il n'a pas pu se joindre à nous. Alors ce soir je suis en compagnie de Ambre, que vous connaissez, c'est la petite dernière, Karine mon épouse, et Tony que vous connaissez puisqu'il est pratiquement sur toutes les vidéos d'Expo. Voilà. Alors ce soir par contre j'ai un petit imprévu, c'est que malheureusement nous ne sommes pas seuls, il y a des jeunes qui sont derrière. C'était pas prévu, bon eh bien on va faire avec. Le seul point négatif c'est que nous avions l'intention de placer des caméras pour filmer éventuellement des animaux sauvages, et avec le boucan qu'ils font je crois que ça va être râpé. Bon, nous en attendant on va monter les tentes et on se rejoint tout de suite après. Bon, c'est bon, on va mettre juste à côté. Bon eh bien les amis, les tentes sont montées, pardon. Donc celle-ci ça va être la mienne et celle de Ambre, celle-ci celle de Karine et Tony. Donc celle-ci elle n'est pas totalement terminée puisque c'est une tente d'été, donc il n'y a pas de doublure. Donc on va poser une tarpe par-dessus, donc ça fera l'isolation. Donc là vous commencez à connaître, hein, donc on est sur le bloc de combat du bunker du col des Banquettes. Hop. Voilà la petite cloche. Vous êtes bien là? Ouais. Ouais, vous êtes frais? Et toi? Impeccable. Pas flippé, papa? Non, ça va, hein, je suis bien, on a la musique à côté, ça va. Ouais, c'est bon, c'est vrai que la présence des jeunes à côté, ça rassure un peu. Oui, oui, moi je suis bien là, tranquille. Oh, ouais. Ce petit clair de lune là-haut, c'est terrible. Bon, bien, nous on va se casser le bide avec un petit apéro pour commencer, et puis après on va voir pour faire un petit tour dans la nature. Ce soir, on a un esquimau parmi nous. Quand on dit qu'il y a froid, toi t'as froid? Un peu? Beaucoup. Et toi? Moi je suis bien, ça va. Hein. T'as pas froid du tout? Non, ça va, je suis en t-shirt. Ouais, ah oui, c'est vrai. Respect. Ouais. Respect. Bon, les amis, Anthony et Karine se sont couchés. Et donc, moi je vais avec Ambre en forêt placer la petite caméra de chasse. Et on va voir si on peut capturer des images d'animaux sauvages. On va voir ce qui se trouve un peu ici, enfin, si ça prend, puisque il y a eu pas mal de bruit, donc avec les jeunes qui ont balancé de la musique assez fort. Là ils sont couchés, donc espérons que le calme fasse revenir les animaux. Alors là c'est un peu dur, le chemin est un peu accidenté. Par là, qu'est-ce que t'en penses? On va le faire ici. On n'est pas trop loin du bunker. Oh. Ah, attention, la puce, ça fait mal? Ouais, ah, oui, ça glisse. Attention, tu mets les pieds. Hein. Allez, viens par là, c'est plat. On va essayer de trouver un petit coin tranquille. Mais on a changé d'endroit. Il y a un peu trop de ronces à mon goût. Une grotte. Ça là-bas. Un endroit me paraît impeccable. Ouais, c'est plutôt calme et un peu plat. Ah. J'entends un cri, Karine pousse un petit cri, elle a dû avoir peur d'un bruit, je pense. Ah bah c'est parfait. C'est parfait. Oui. Eh bien les amis, je pense qu'on a trouvé l'endroit idéal. Je vais caler la cam sur un arbre ici. Bon les amis, la caméra est en place. Donc nous, on retourne au camp. Je vais faire couler un petit café. Et je pense qu'on va aller spioter.
Voilà, la tarpe a été posée. Donc on a englobé les deux tentes avec. Ça va nous faire une petite isolation thermique. Petite protection contre le vent et la pluie éventuellement, si jamais il pleut. Bon, là pour l'instant, la pluie n'est pas prévue. Hein. On a un ciel hyper dégagé. Bon. Petite bestiole. Bon, allez, on va se recouler un petit café pour se réchauffer. Elle a chaud ? Oui. Ah, ben c'est beau. Moi, je suis en train de me peler là. Je suis en train de me peler, elle a chaud. C'est un truc de fou. Karine découvre les jeux du bivouac. Bon, c'est à côté, ils sont en train de ronfler à côté. Je croyais que c'était un sanglier. Bon. Bon, allez, on va vraiment se péter là, j'en peux plus. Tu veux plus ? Bon, et bien, les amis, il est 7h20. On vient de se lever. On va assister en direct à un petit lever de soleil. Et nous, pendant ce temps-là, on va aller chercher la caméra, puisqu'il y a une petite tempête de vent qui se lève. Bon, là, comme il n'y a pas de terre, on a calé la tarpe avec des caillasses. Elle a plutôt bien tenu. Là, on a ce paysage magnifique là, avec ce petit lever de soleil. Là. Donc là, le soleil là, il est sur la gauche. Il va pas tarder à monter. Bon, on va aller chercher la caméra. Tu viens, mon cœur ? Hop là. Tout c'est de bien se rappeler où on l'a mise. Ça se ferme. Allez. Aïe. Attention. Là c'est par là. Hein. Allez là. On a 40 photos et vidéos. Ça fait 20 photos et 20 vidéos. Ah ouais. Donc, il y a eu du passage. Allez, on va s'analyser tout ça. Bon, Karine vient de se lever. Elle a l'air frigorifiée. T'as froid ? On s'est coulé un petit café ? Allez. J'ai imaginé qu'on... Ah bah oui. C'est ça. Non, il y a eu du passage animal. J'ai mis deux tests là. Il y a un test qui a fonctionné. Il y a un petit animal qui est passé. J'ai déjà, peur, j'ai peur. Il n'y a rien. Ambre, ça va maintenant, t'es habitué. Ouais, mais ça, avec le vent. Avec le vent. Ah oui, il y avait pas autant de vent. J'entendais le vent qui arrivait. Ah mais là, à un moment, il y a eu une rafale de dingue. C'est tellement fort, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui me touchait la tête. Mais oui, c'est ça que j'ai... C'est pour ça que je t'ai réveillé. Bon, après, bon là pour cet hiver je pense que pour toi on va pas tomber parce que ça va être pire, il y aura le froid. Cet été on se refera ça. L'été ça doit être agréable. Oui voilà. Et... D'accord, tu me mets plein de. Mur de béton au milieu. Quand on touche la fin. Non j'ai eu peur, je t'ai le bivouac aseptisé. Non mais on se ressent.
bien les amis, cette vidéo se termine. J'espère que ce petit moment avec vous vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bien sûr n'hésitez pas à liker, partager un max sur tous vos réseaux sociaux. Allez à bientôt les amis, tchou tchou.